Après 4 heures de concentration, les candidats au baccalauréat session normale de juin 2023 viennent de terminer la composition dans la toute première matière qui est le français. Quelques-uns rencontrés nous disent comment a été cette épreuve. Bon, puisque c'est la première matinée, moi je trouve que l'épreuve de français est tellement abordable. L'épreuve de français, bon, ça a été seulement que je ne m'y attendais pas à ça. Je me suis dit, si l'épreuve de français est comme ça, comment serait la SVT qui vient dans la soirée? L'épreuve de français était abordable. La première matinée ainsi terminée, les candidats se préparent pour affronter les autres épreuves. Comme j'ai raté beaucoup de choses dans les premières matinées, il faut que je me prépare pour la suite en SVT, puisque c'est coefficient 5. Pour la suite des compositions, c'est ce soir qui va délimiter ce qui va s'en suivre. Mais pour le moment, bon, on s'est apprêté quand même pour affronter l'épreuve des SVT. Je me prépare déjà pour la suite et je suis prêt déjà pour la suite. Donc, no stress. Je reste très optimiste pour la suite et j'espère que l'Esprit Saint va m'accompagner pour le reste. La composition dans les épreuves de la session normale du baccalauréat, qui a débuté dans la matinée du lundi 19 juin 2023, prendra fin le mercredi 21 juin 2023 pour toutes séries confondues.